étudier la bascule JK et une de ses applications dans les compteurs asynchrones et synchrones. Dans un premier temps, nous allons expliquer la table de vérité de la bascule JK, ses fonctionnalités, et ensuite nous l'utiliserons dans les applications sur les compteurs. Alors la bascule JK, au niveau de sa table de vérité, c'est assez simple. Je vais déjà commencer par le composant. Donc c'est un composant qui possède deux entrées J et K, et deux sorties Q et son opposé Q bar. Ce genre de bascule fonctionne sur un signal d'horloge. On a donc besoin de rentrer un signal d'horloge dans la bascule, avec ici le signal d'horloge. Donc, le symbole CLK que vous rencontrez assez souvent sur ce genre de composant, c'est l'abréviation de clock, qui signifie ici le signal d'horloge. Au niveau de la symbolique, pour faire fonctionner une bascule, on a plusieurs possibilités. Les deux les plus fréquemment rencontrées sont le front montant et le front descendant. Alors comment reconnaître si on a une bascule sur un front montant ou sur un front descendant? C'est assez simple, c'est avec le symbole qui se trouve ici. Donc sur le descendant que j'ai fait ici, le symbole est celui du front montant. Ça veut donc dire que lorsque vous avez par exemple une bascule comme ceci avec ce genre de symbole ici, d'accord ? Ça voudra dire en fait que si la bascule change ses valeurs de sortie, ça sera au moment du front montant, ce qui se symbolise par une flèche comme ceci sur le signal d'horloge. Donc ici, on a le front montant de la bascule. Si je fais la même chose avec une bascule sur front descendant, je vais toujours avoir la flèche, mais avec un. Et donc dans ce cas-là, je me retrouve du coup avec un changement en sortie, mais sur le front descendant. C'est la particularité que j'ai entre le front montant et le front descendant, mais dans la logique et la table de vérité de la bascule JK, ça n'influence en rien le résultat final en sortie des bascules. Par contre, ce qui va être influencé, c'est le moment dans le chronogramme où la valeur en sortie des bascules va être changée. Pour la suite du raisonnement, nous allons utiliser des bascules sur front montant, mais le même raisonnement serait pour le front descendant. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai fait une table de vérité pour la bascule JK. Donc j'ai d'abord le signal d'horloge, ici j'ai symbolisé que j'étais tout le temps sur le front montant, et ensuite je vais réaliser les quatre combinaisons que je peux faire sur les valeurs de J et K. Ayant ici deux bits d'entrée pour J et K, j'ai donc 2 puissance 2 combinaisons, donc 4 combinaisons possibles. Donc en binaire naturel, ça fait des combinaisons classiques. Donc j'ai 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Alors, avec ces bascules, intervient pour la première fois dans les circuits la notion de temporalité. En logique combinatoire, notamment, cette notion de temporalité n'intervient pas forcément puisqu'il n'y a pas de signal d'horloge sur le composant. Ici, grâce à ces bascules, on a vraiment la notion de temporalité et puis surtout de mise en mémoire. L'exemple est flagrant ici sur les bascules JK puisque lorsque je mets 0 et 0 en entrée de la bascule JK, je vais garder en mémoire la valeur d'avant. Vous voyez, j'ai noté ici en sortie QT plus 1. C'est-à-dire la valeur à l'instant t plus 1, c'est-à-dire une fois que j'ai passé un front montant. Donc une fois que j'ai passé un front montant, si j'ai 0 et 0 en entrée de la bascule, je vais garder en mémoire la valeur d'avant que je vais appeler Q1 du t. Si j'ai 0, 1, là je vais faire un forçage à 0, ce qu'on appelle aussi un reset. Donc je vais mettre la valeur 0. Donc ici je suis avec un reset. Si je mets 1, 0, cette fois-ci je vais faire un set, c'est-à-dire je vais forcer à 1. Et si j'ai 1 et 1, à ce moment-là, je vais prendre l'opposé de la valeur d'avant, c'est-à-dire que je vais noter QT bas. Voilà donc la table de vérité de la bascule JK. C'est sur cette table de vérité que nous allons nous baser pour ensuite construire un compteur asynchrone. Donc je n'ai pas mis sur le tableau ici, mais si Q prend une valeur, Q bar prend nécessairement l'opposé. Donc ça veut dire que ici, j'ai mis simplement QT plus 1, mais on pourrait aussi avoir QT plus 1 bar. Là, j'aurais eu QT bar 1, 0, et QT. Donc voilà ce qui se passe au niveau de la bascule JK. Donc nous allons voir maintenant comment cette bascule JK, en fonction de ce que l'on met en entrée des valeurs de JK, comment ça peut nous aider à faire des compteurs et des décompteurs. On va commencer déjà par les compteurs asynchrones. Donc, dernière remarque avant de passer au compteur asynchrone. Regardez ici, donc lorsque j'ai J et K à 1, notamment, la valeur que je vais avoir en sortie, c'est l'opposé de la valeur d'avant. Donc ça, on va voir, c'est une application très intéressante pour nos compteurs et notamment aussi pour les divisions de fréquences, ce qu'on va voir tout de suite.
Alors nous allons maintenant voir une application simple de la bascule JK qui est le diviseur de fréquence. Alors j'ai laissé la table de vérité de la bascule JK ici pour que vous l'ayez en permanence sous les yeux. Ce que l'on va faire ici, en fait, on va imaginer une bascule JK sur laquelle les deux entrées J et K sont 1. Alors à quoi ça peut ressembler d'un point de vue circuit? Vous imaginez que dans le cas qui est ici, j'ai ma bascule JK active sur fond montant, grâce au symbole qui est ici, et les valeurs de J et de K qui sont là, je les mets au 1 logique. D'accord? Donc ça veut dire que là, j'ai envoyé 5 vols sur l'entrée J et sur l'entrée K. Et je vais voir ce qui se passe pour la sortie Q et pour la sortie Q bar. Donc là, j'ai toujours mon signal d'horloge, donc c'est-à-dire que le CLK que j'ai ici est le signal d'horloge qui va rentrer dans ma bascule. Et j'ai toujours J et K. Que se passe-t-il si j'ai J et K? Dans ce cas, je vais prendre l'opposé de la valeur d'avant à chaque fond montant. Donc il faut pour cela initialiser notre bascule. Si j'initialise la bascule, je vais prendre par exemple Q à 0 et Q bar à 1. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est au front montant, je vais prendre l'opposé de la valeur d'avant. Donc si je prends l'opposé de la valeur d'avant, c'est-à-dire qu'arrivé à ce front montant, je vais avoir ici Qt plus 1, d'accord? Qt plus 1 va être l'opposé de ce que j'ai avant, c'est-à-dire Qt. Je regarde ici, à 1, 1, Qt plus 1, c'est égal à Qt bar. Ici, Qt est à 0, donc Qt plus 1 sera à 1. Donc je vais être à 1, je vais passer à 1 ici, jusqu'au front montant suivant. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas rencontré un autre front montant, je ne change pas l'état de sortie de ma bascule. Idem ici, si Q est passé à 1, nécessairement Q bar est passé à 0 jusqu'au prochain front montant. Au prochain front montant, toujours J et K sont à 1, je regarde, je prends toujours l'opposé de la valeur d'avant. Donc l'opposé de la valeur d'avant, maintenant, c'est 0. Et ça, je peux le faire de manière cyclique à chaque front montant. Et j'ai bien toujours, ici pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, Q et Q bar qui sont toujours opposés. Voilà. Maintenant, si j'observe ce chronogramme, je regarde en fait ici la période de Q. Le signal qui sort de Q, en fait ici, si je regarde, c'est le double de la période du signal d'horloge. D'accord? On voit ici, on le constate, que si ça, la période ici, est T, si je regarde ici la période entre ces deux signaux, c'est 2T. Et on le sait, la fréquence, c'est l'inverse de la période, donc ça veut dire que ici, grâce à cette bascule JK, j'ai multiplié par 2 la période du signal d'horloge, j'ai donc divisé par 2 sa fréquence. Donc mettre une bascule JK avec 1 en entrée pour J et K, permet de faire un diviseur de fréquence par 2. Donc si je veux faire un diviseur de fréquence par 4, il suffit de mettre 2 bascules JK en cascade, etc. Comme ça, en fait, on peut adapter les fréquences d'horloge dans un circuit d'électronique numérique et avoir différentes parties du signal, du circuit qui fonctionnent avec différentes fréquences d'horloge, en partant toujours d'une fréquence d'horloge initiale. Donc voilà la première application des bascules JK pour faire de la division de fréquence. Alors, on va donc du coup utiliser ceci pour fabriquer des compteurs asynchrones, ce que je vais vous expliquer maintenant. Nous allons maintenant voir des applications des bascules JK avec le décompteur asynchrone. Donc, compteur, décompteur, c'est la même logique. Asynchrone, ici, c'est parce qu'en fait, le signal d'horloge, vous voyez, de la première bascule, il vient du signal d'horloge du circuit. Et pour la deuxième bascule, le signal d'horloge va venir de la bascule 0. Pour la bascule 2, le signal va venir de la bascule 1. Pour la bascule 3, le signal va venir de la bascule 2. Donc on dit asynchrone parce que du coup, les bascules ne fonctionnent pas avec le même signal d'horloge. J'ai donc toutes des signaux d'horloge qui sont différents. Vous remarquez ici aussi que j'ai fixé toutes les valeurs de J et K à 1. Je me retrouve donc dans le quatrième état pour mes bascules JK, c'est-à-dire recopie de l'opposé de l'état précédent en sortie. On récupère les valeurs de Q0, Q1, Q2 et Q3, ce qui va nous faire en fait ici un bobinaire de 4 bits. Donc je vais avoir ici un bobinaire sur 4 bits qui va être Q3, Q2, Q1, Q0, le bit de poids fort, le bit de poids faible. Voilà. Donc maintenant ce que l'on va voir, maintenant j'ai présenté le circuit, je vais redessiner un chronogramme assez imposant ici parce que je vais devoir compter sur 16 stops d'horloge, donc il faut visuellement on puisse tout faire.
Et à partir de là, on va voir justement comment on arrive à faire du décomptage. Nous allons voir maintenant, nous allons voir en fait ici comment créer un compteur à partir de bascule JKL ou un décompteur dans ce cas précis ici. Donc comme il est expliqué dans le schéma de précédent, donc en fait le signal d'horloge de la bascule suivante est généré par la sortie Q de la bascule précédente. D'accord ? Donc ça veut dire que ici, le signal Q0 est conditionné par le signal d'horloge ici, mais Q1 va être conditionné par le signal d'horloge ici, Q2 par le signal d'horloge de Q1 et Q3 par le signal d'horloge de Q2. D'accord ? On l'a vu sur le circuit, les entrées J et K sont toutes fixées à 1. On est donc dans le cas où sur chaque fond montant pour ce cas-là, on a donc l'opposé de la valeur précédente qui va s'afficher en sortie. Voilà. Donc on veut utiliser ça, on peut aussi assez vite en se souvenant que ce qu'on a vu précédemment, en mettant J et K1, on avait un diviseur de fréquence par 2, ce qui revenait ici en fait à doubler la période pour chaque signal d'horloge. Okay ? Alors comme on débute encore un petit peu ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le raisonnement avec la table de vérité pour au moins encore 2-3 bascules. Après, on verra que c'est le principe du diviseur de fréquence par 2 et ça peut aller très très vite ici. Si bien sûr, les bascules JK ont leur entrée JK fixée à 1. Donc, je me retrouve sur le front montant ici. Q0 a été initialisé à 0, de même pour Q1, de même pour Q2, de même pour Q3. Donc, ce qui va se passer ici, je sais qu'au front montant, je vais prendre l'opposé de la valeur précédente jusqu'au front montant suivant. Front montant suivant, je prends l'opposé, etc. Donc ça, je peux le répéter ici sur tous mes tops d'horloge. Donc, vous voyez, ici, le fait que J et K sont à 1, c'est vraiment une particularité de ces bascules JK, d'accord ? C'est que ça me divise la fréquence par 2. Pareil pour ici, je suis initialisé à 1, donc le front montant, il est là. Donc ça veut dire que pour la bascule qui est la sortie Q1, le nouveau signal d'horloge, ce n'est plus celui-ci, mais c'est celui de Q0. D'accord ? Souvenez-vous sur le schéma, Q0 rentre dans le signal d'horloge de la bascule 1. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important à voir, je le répète. Le signal d'horloge de la bascule, de la deuxième bascule, c'est le signal Q0 et non plus le signal d'horloge initial. D'accord ? Donc ça veut dire que pour trouver la valeur de Q en sortie, je me fais sur le signal d'horloge qui est ici. D'accord ? Toujours avec mes fronts montants que je peux repérer ici. C'est important dans vos raisonnements sur les chronogrammes de toujours bien repérer le front, que ce soit montant ou descendant. Donc à partir de là, je sais que je prends l'opposé de la valeur d'avant et je vais attendre le front montant suivant. Donc, du coup, je vois bien ici qu'il est en train de se mettre en place la notion aussi de diviseur de fréquence par 2. Et voilà. D'accord ? Donc, rebelote. Maintenant, la deuxième bascule ici va envoyer son signal dans le signal d'horloge de la troisième bascule qui est ici. C'est-à-dire que pour faire mon raisonnement sur le diviseur de fréquence par 2, je vais prendre le signal d'horloge de la bascule précédente. Et je continue. Donc cette fois-ci, je repère à chaque front montant, je fais un changement. D'accord ? Et enfin, pareil pour la dernière, donc là on a compris le système du diviseur de fréquence. Donc je repère les fronts montants, donc là il y en a de moins en moins. Et je vais donc aller jusqu'à ici, puis après, jusqu'à la fin, je vais être ici à 0. Voilà, j'ai donc fait ici mon chronogramme pour justement un circuit avec 4 bascules JK, chacune avec les entrées J et K fixées à 1. J'envoie la sortie Q sur le signal d'horloge de la bascule suivante. Ok ? J'applique donc le schéma de la division de fréquence par 2. Si je l'applique sur les 4 bascules, voici le chronogramme que j'ai ici. Souvenez-vous sur le schéma, on récupérait les 4 bits Q0, Q1, Q2 et Q3. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, avec ce signal, avec ce montage, avec 4 bascules JK, finalement, je génère un mot de 4 bits. Essayons ici de localiser les valeurs de ces bits sur le chronogramme. Donc si je fais ça sur le chronogramme ici, je vais m'en trouver avec 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, etc.
excusez-moi de l'erreur, là je suis toujours à 0, 0, 0, 1. Ici, ensuite j'ai que des zéros. Pareil, donc là ça c'est ok. Maintenant faisons la conversion en décimale de ces différentes valeurs. Que des 1 sur 4 bits, ça va me faire donc ici 2 puissance 3 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 0, ça me fait 15. J'ai donc ici la valeur 15. Ensuite ici je vais en trouver 14. Là, 8 et 4, 12 et 1, 13. 8 et 4, 12. 8 et 2, 10 et 1, 11. 8 et 2, 10. 8 et 1, 9. 8. 4 et 2, 6 et 1, 7. 4 et 2, 6. 4 et 1, 5. 4. 3. 2. 1. Et enfin 0. Donc là en fait je viens de faire un compte à rebours, c'est-à-dire que ou un appelé aussi décompteur. Je fais 15, 14, 13, 12, 11 jusqu'à 0. Donc en mettant ici 4 bascules JK en cascade avec J et K fixés à 1, je suis en train de faire un décompteur. Voilà. Si je reprends ici, vous voyez, au prochain fond montant, je vais prendre l'opposé de toutes les bascules. C'est comme si en fait je revenais au début ici. D'accord ? Je réinitialise donc mon compteur. Voilà. Donc ici, mon décompteur plutôt. Donc là, j'ai créé un compte à rebours. J'ai créé un décompteur. On appelle ici un décompteur modulo 16 parce que vous voyez ici, je décompte cette valeur. Donc ce que j'ai créé ici, c'est un décompteur modulo 16. Voilà. 16, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire en fait que ici, je me retrouve avec 16, c'est 2 puissance 4. Le 4 que vous avez là, c'est le nombre de bascules. Donc ça veut dire que si je veux compter, on va dire, par exemple, décompter à partir de 11, je sais que 11, c'est compris entre 2 puissance 4 et 2 puissance 3. D'accord ? Donc ça veut dire que j'ai nécessairement besoin de 4 bascules pour le faire. Par contre, si je veux décompter à partir de 5, 5 c'est inférieur à 2 puissance 3, inférieur à 8, okay, donc j'aurai besoin simplement de 3 bascules pour le faire. Okay. Bon, ça veut dire, on va le voir un peu plus tard, si je veux faire un décompteur qui démarre à 12 par exemple, il va falloir que je réinitialise les bascules. Dès que ça recommence à 15 ici, il faut que je réinitialise tout pour tout de suite compter à 13. On va voir l'astuce pour le faire. Donc voilà pour notre premier décompteur. On est ici sur un décompteur, donc je le dis modulo 16. Et je répète asynchrone, parce que le signal d'horloge de toutes les bascules n'est pas le même. On verra après comment faire un compteur synchrone, c'est-à-dire où toutes les bascules sont pilotées par le même signal d'horloge. Alors, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut décompter, ce sera la même logique que pour compter, sur un modulo différent de 2 puissance 7. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Tout à l'heure, vous avez vu avec les 4 bascules, j'ai déjà fait une remarque là-dessus, on peut décompter de 15 à 0, c'est-à-dire qu'on décompte sur 16 valeurs, on est donc modulo 16. Si par contre je veux décompter à partir de 12, je suis toujours sur un modulo qui est compris entre le modulo 16 et le modulo 8. Ça veut dire en fait que je suis plus grand que le modulo 8, plus petit que le modulo 16, je vais donc utiliser toujours 4 bascules. Mais il va falloir pouvoir réinitialiser et commencer à décompter par exemple à partir de 12 et non pas à partir de 15. Ce que je n'ai pas rajouté précédemment sur les bascules mais qui existent, ce sont deux fonctionnalités que j'ai présentées ici qui sont le CLR. Donc le CLR ici c'est pour clear, donc ça veut dire en fait que ça va me permettre de remettre ma bascule à 0, et le PRE ici c'est pour preset, ça veut dire que ça peut me permettre de forcer une bascule à 1 en sortie. Voilà.
Les barres nous indiquent ici que ce sont deux fonctionnalités qui sont actives à l'état 0, c'est-à-dire que si j'envoie la valeur binaire 0 ici ou ici, je vais donc pouvoir ici réinitialiser ma bascule et la remettre à 0 à la valeur où je veux, ou préparer en fait pour une certaine valeur. Voilà. Donc, si la notion de décomptage n'est pas encore très bien comprise pour vous, je vous conseille de rembobiner un peu plus tôt dans la vidéo sur le chronogramme que l'on vient de faire. Donc là, je ne vais pas revenir tout de suite sur le chronogramme. Je vais d'abord réétudier le circuit, c'est-à-dire prendre mes 4 bascules, J et K à 1 pour toutes les bascules. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter les presets et les clear. On va voir comment on doit les préparer pour justement initialiser à 12, par exemple, et non pas à 15 si je veux décompter à partir de 12. Voilà ce que l'on va faire maintenant. Nous allons voir maintenant comment ici câbler notre circuit avec 4 bascules pour par exemple commencer un décomptage à 12. C'est-à-dire en fait j'ai répété ici une partie de mon chronogramme, d'accord ? Bon, ça veut dire que là je devrais décompter jusqu'à 0, mais bon, pour des notions de confort ici, je n'ai pas besoin de toute l'information. Ce qui va m'intéresser, c'est savoir quand est-ce que je recommence à décompter à 15 pour configurer mon système à partir de 12. D'accord ? Donc là, j'ai recablé toutes mes bascules et j'ai rajouté les entrées preset et clear sur mes bascules. D'accord ? Donc l'idée, en fait, c'est de se dire comment est-ce que je peux configurer mes bascules pour ce qu'elles soient à 12. Pour que mes bascules commencent, par exemple, à décompter à 12, il faut que Q0 soit forcé à 0, Q1 est forcé à 0, Q2 est forcé à 1 et Q3 est forcé à 1. Ça implique que si je veux commencer mon décomptage à 12, à un moment donné, il va falloir que je fasse un clear ici pour Q0 et Q1. Et il va falloir que je fasse un preset pour Q2 et Q3. D'accord ? Comme les clears et les presets sont actifs à 0, il va falloir que j'établisse une logique qui renvoie la valeur 0. D'accord ? Donc, il va falloir que j'ai un circuit logique qui puisse détecter lorsque je suis à 15, qui va ressortir la valeur 0 au niveau des entrées Q0, Q1, Q2 et Q3 pour avoir la valeur 12 si c'est la valeur 12 qui m'intéresse. Si j'avais voulu par exemple décompter à partir de 13, j'aurais fait un preset sur Q0, un clear sur Q1, un preset sur Q2 et un preset sur Q3. D'accord ? Alors on pourrait se dire, bon bah très bien, à quel moment je veux que ça fasse 0 ici pour ces 4 bascules ? Je vais le redire autrement. À partir de quel moment je veux mettre clear à 0 sur celle-ci, les presets à 1 sur celle-ci, d'accord ? Il y a un seul moment où ça va arriver, c'est pour cette combinaison-là. D'accord ? Et pour avoir 0 ici, il faut que je détecte 15. Donc on pourrait dire, pour avoir 15, il me faut Q0 à 1, et Q1 à 1, et Q2 à 1, et Q3 à 1. Bon, je pourrais très bien faire cette chose-là avec une porte E, en mettant ici une porte NAND, pardon, avec mes 4 entrées 1, d'accord, qui me retourne 0 sur les entrées des bascules qui m'intéressent. Donc on va déjà commencer par s'occuper de ce que l'on a. Donc ça veut dire que moi j'ai clear pour Q0 et Q1. Donc ça veut dire que dans mon circuit, je vais remonter par ici. Voilà, j'ai un clear commun pour Q0 et Q1. Donc là, j'ai la sortie, ici, je vais mettre de ma logique qui va me permettre, en fait, de fixer, en fait, mon décompteur à 12. Donc ici, les clears, ici, je vais les bloquer à 1 pour dire qu'ils sont, du coup, désactivés. Et puis, je regarde pour les presets. Les presets qui doivent être actifs, ce sont ceux de Q2 et Q3. Donc ça veut dire que là, en fait, pour Q1 et Q0, je mets les presets à 1 pour les désactiver. Souvenez-vous, la barre nous dit que la fonctionnalité est active lorsque je rentre la valeur logique 0. Donc ça veut dire que ici, c'est pareil. Pour mes presets ici, je dois les activer en les mettant à 0. Donc ça veut dire que eux aussi vont rentrer dans ce circuit logique. D'accord ? Et là, j'ai donc la valeur 0 qui va arriver sur le clear pour ces deux-là et le preset pour ces deux-là. Donc, ça veut dire que quand 0 arrive ici, le décompteur est initialisé à 12. Voilà. Donc, je laisse un instant pour penser à ça. Maintenant, quelle logique je dois mettre derrière ici pour obtenir ça ? On en a déjà un petit peu parlé.
Le seul moment où je dois réinitialiser, c'est quand je redémarre à 15. C'est-à-dire que dès que je démarre à 15 ici, je dois instantanément faire le décomptage à 12. Mais je dois m'assurer aussi que cette logique réinitialise une seule fois, c'est-à-dire au moment où j'arrive à 15, elle m'initialise à 12, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas initialiser à 12 à un autre moment lors du décomptage. D'accord ? Donc là, on va faire un petit raisonnement. On va regarder les valeurs que j'ai après. Donc j'ai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D'accord ? Donc là, je suis à 2 puissance 3. Donc 2 puissance 3, il va intervenir jusqu'à 10. Ok ? Et après, de toute façon, pour 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pour 10 et 9, pardon, 2 puissance 3 va intervenir. Mais à partir de 7, il ne va plus intervenir. Ok ? Pareil pour Q2. Q2, en fait, lui, il est simplement à 1, d'accord, pour la valeur 7. Sinon, après, il ne va plus non plus intervenir. Ok ? Bon, ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire ici, c'est peut-être que parmi toutes ces valeurs-là, je constate en fait que Q3 et Q2 sont en même temps à 1, à un seul moment du décomptage, c'est entre 15 et 12. D'accord ? Ici, après 12, en dessous de 12 ici, Q2 et Q3 ne seront plus jamais à 1. D'accord ? Donc je suis sûr que si je fais une fonction logique avec Q2 et Q3, d'accord ? Je sais que je ne réinitialiserai jamais ma bascule de manière intempestive en dessous de la valeur 12. D'accord ? Parce que en dessous de la valeur 12, si vous reprenez le chronogramme qu'on a fait tout à l'heure, en dessous de la valeur 12, je n'ai jamais Q2 et Q3 qui sont à 1 en même temps. D'accord ? Bon, ça veut dire que là, si je mets une porte NAND avec ici les valeurs de Q2 et Q3, alors je ne tire pas les fils hein, qui vont de Q2 vers Q3 pour ne pas alourdir le schéma, ça ne sert à rien ici, d'accord ? Mais si j'envoie Q2 et Q3 sur cette porte NAND, d'accord ? Le seul moment dans le décomptage où je vais avoir Q2 et Q3 qui seront à 1, c'est quand je vais recommencer à décompter à 15. On sait dire qu'on va se mettre un petit peu en situation. Je décompte 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À 0, mes 4 bits Q0, 1, Q2, Q3 sont à 0. Et je sais qu'au top d'horloge suivant, je vais me remettre avec tous ces bits qui sont à 1. Donc le seul moment où j'aurai Q2 et Q3 à 1, c'est le moment où je vais redémarrer ici à 15. D'accord ? Donc quand je redémarre à 15, ces deux valeurs de Q2 et Q3 rentrent dans la porte NAND. 1 et 1 dans une porte NAND, ça donne 0. Donc ça va renvoyer 0 sur le clear de Q0 et Q1 sur le preset de Q2 et Q3. Donc je vais en fait forcer les bascules à se mettre dans cette configuration-là. Bon, ça veut dire qu'en fait, en un instant très court, hein, quelques microsecondes, voire quelques dizaines de nanosecondes, okay, je vais passer de 15 à 12. Donc ça veut dire que dans la perception humaine, on ne se rend pas du tout compte. C'est comme si c'était instantané. D'accord ? Donc ça veut dire que mon décompteur est initialisé tout de suite à 12. Ensuite, je regarde ce qui se passe. Donc pour 11, Q3 et Q2 ne sont plus en même temps à 1. D'accord ? Donc du coup, elle renvoie toujours 1, donc mes deux clears et mes deux presets sont inactifs. Si ensuite, je vais à 10, bah à 10, en fait, je vais me retrouver, qu'est-ce que c'est que 10 ? C'est 2 puissance 3 plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 1, donc ça veut dire que j'ai toujours Q3 et Q2 qui sont à 1. Ensuite, si je vais à 9, c'est 2 puissance 3 et 2 puissance 0, donc Q2 est toujours à 0. Si ensuite je vais à 8, c'est 2 puissance 3 et 2 puissance 0, pardon pour 9, si je vais à 8, c'est 2 puissance 3 et puis le reste est à 0, d'accord ? Si je vais à 7, ben Q3 passe à 0, et Q2 va ensuite passer à 1, et ainsi de suite. Et si je fais le raisonnement sur tout le chronogramme, je remarque que pendant tout le décomptage de 12 jusqu'à 0, je n'aurai plus jamais Q3 et Q2 qui sont en même temps à 1. Donc ça veut dire qu'entre 12 et 0, ma bascule ne sera pas réinitialisée. Le seul moment où ma bascule sera réinitialisée, c'est quand elle va repasser à leur 15. Q3 et Q2 sont en même temps à 1. Je force les bascules à se mettre dans la configuration, pour notre exemple, à la valeur 12, et ensuite le décomptage se pose sans problème. Voilà quelle est l'astuce logique ici pour initialiser un décompteur asynchrone avec des bascules JK à la valeur qui nous intéresse. Voilà.
Donc là, je ne fais pas dans ces vidéos le compteur modulo de puissance N asynchrone, puisque c'est le même principe que le décompteur. La seule différence, c'est qu'au lieu d'envoyer la sortie, le bascule Q sur le signal de l'entrée d'horloge de la bascule suivante, au lieu d'envoyer Q, on envoie Q bar. D'accord ? Bon, je ne l'ai pas fait pour une raison simple, c'est quand, d'un point de vue chronogramme, ça alourdit les chronogrammes, puisque pour bien expliquer les choses, il faut rajouter Q et Q bar. Je vous invite donc à le faire vous-même et ensuite à revenir vers moi si vous avez des questions sur le compteur asynchrone. D'accord ? Mais la logique reste exactement la même que pour le décompteur asynchrone. Donc là, je préfère me concentrer sur le compteur synchrone, parce que dans celui-ci, pour pouvoir le câbler correctement, cette fois-ci, on n'a plus un motif qui se répète comme dans les compteurs asynchrones, puisque dans les compteurs asynchrones, rappelez-vous, on a remarqué qu'on avait une division de fréquence par deux qui nous permettait en fait, dans les cascadants, d'obtenir un compteur ou un décompteur. Pour les compteurs asynchrones, ce n'est plus le cas. On va voir, c'est un petit peu plus compliqué, il faut utiliser les tableaux de Carnot. Donc compteur asynchrone, pourquoi ? Parce que vous voyez, sur les quatre bascules qui sont ici, cette fois-ci, elles ont toutes le même signal d'horloge qui arrive sur toutes les bascules. D'accord ? Donc cette fois-ci, en fait, J et K étant toujours aussi, cette fois-ci, plus fixés à 1. D'accord ? C'est la grosse différence avec, justement, le compteur asynchrone et des compteurs asynchrones. C'est cette fois-ci, il va falloir que je définisse les fonctions logiques qui vont rentrer dans J0, K0 et dans tous les J, K, I de mon circuit. D'accord ? Donc là, en fait, ce qu'il est idéal à faire, c'est de faire une table de vérité, d'accord, qui va ensuite nous amener au tableau de Carnot pour chacune des fonctions J0, K0, J1, K1, etc. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va construire notre compteur avec une table de vérité et à partir de là, savoir comment relier les J, K, I de mon circuit pour avoir le compteur qui m'intéresse. Voilà. Donc l'intérêt de ça, c'est que d'un point de vue composant, j'ai un seul signal d'horloge pour du coup mon composant réel et qu'à l'intérieur du composant, du coup, chaque bascule sont reliées entre elles sur le même signal d'horloge. Donc ça a des avantages d'un point de vue fabrication des composants notamment. Voilà. Donc on va se mettre au travail sur la table de vérité. On va se tenter ici sur un compteur modulo 16, d'accord, synchrone. Donc là, il n'y a pas le choix, donc c'est un peu ambitieux de le faire sur 4 bascules. J'aurais très bien pu le faire sur 3 bascules, mais je trouve ici que c'est un très bon entraînement, justement, de s'embêter à le faire sur les 4 bascules. J'ai rappelé ici la table de vérité des bascules JK, parce qu'elle va vraiment être utile ici. L'idée, c'est comment configurer les JKI pour obtenir les valeurs binaires sur Q3, Q2, Q1 et Q0. D'accord ? Donc là, il y a une vraie gymnastique à faire au niveau des J0, K0, J1, K1, J2, K2, J3, K3 pour justement obtenir ce que l'on veut. D'accord ? L'idée, c'est se dire qu'est-ce que je vais devoir mettre sur J et K pour qu'au front montant suivant, j'ai la valeur de Q qui m'intéresse. Donc ça veut dire en fait que par exemple ici, pour la bascule J0, K0, ce que je vais mettre ici va changer la ligne suivante pour Q0. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que si je veux ici Q0 qui passe de 0 à 1, qu'est-ce que je dois mettre ici pour J0 et K0 ? Pareil, si je veux passer de 1 à 0, ce sont les valeurs de J0 et K0 qui sont ici, etc. Et pareil pour les autres valeurs de J et K. Donc ça veut dire que là, j'ai un décalage dans les lignes, donc il faut bien être attentif à ça lorsque vous allez le réaliser. D'accord ? Donc là, c'est une partie un peu longue. Donc ici, ce que je constate en fait, pour J0, K0, c'est que j'arrive ici régulièrement sur une alternance de 0 et de 1. D'accord ? Donc c'est-à-dire que je passe d'une valeur à son opposé. Comment puis-je passer d'une valeur à son opposé ici ? D'accord ? Donc là, c'est QT bar. Ben, en fait, il suffit de passer J et K à 1. Mais si je veux, par exemple, forcer à 1, je peux aussi le faire en mettant J à 1 et K à 0. Donc là va intervenir la fameuse valeur intermédiaire, le phi, que l'on a déjà retrouvé dans une vidéo précédente sur les tableaux de Carnot. D'accord ? C'est-à-dire qu'on aura des états indifférents. Ok ? Donc c'est-à-dire que si je veux passer ici de 0 à 1, soit je prends la combinaison 1-1, qui me prendra l'opposé de la valeur précédente, donc je peux faire du 1-1, mais je peux aussi obtenir 1 en faisant la combinaison 1-0. Donc ça veut dire qu'ici, je peux mettre aussi 1-0. Donc là, j'ai un phi.
Ensuite, si je veux passer de 1 à 0, ben, c'est la même chose. Je peux mettre 1, 1, mais je peux aussi passer à 0 en mettant du 0, 1. Donc là, je vais mettre du 0, 1. Et ainsi de suite. Maintenant, si je veux passer de ici 0 à 1, si je veux passer de 0 à 1, c'est la même chose. Donc du coup, je vais avoir du 1 phi, phi 1, 1 phi, phi 1, 1 phi, phi 1. D'accord ? Voilà la logique. Ok ? Donc ça veut dire que là, je passais de 1 à 0, c'est bon, ça marche, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je veux pouvoir faire pour Q1, donc pour Q1, je me passe de Q1, de J1 et K1, je veux passer de 0 à 0. Donc si je veux passer de 0 à 0, je garde en mémoire l'état précédent. Donc garder en mémoire l'état précédent, c'est faire 0, 0. Ok ? Si ensuite je veux passer à 0, je peux aussi le faire en mettant 0, 1. 0, 1, ça marche aussi, ça me force à sortir à 0. Donc là, je vais avoir un 0 phi. Si je veux passer ici de 0 à 1, d'accord ? Ben, ça veut dire que cette fois-ci, pour passer de 0 à 1, je fais soit 1, 1, soit je force à 1. Donc forcer à 1, c'est du ici 1 phi. Ok ? Etc. Ensuite, je vais faire du 1, 1. Bon, ça veut dire que je veux garder en mémoire ce qu'il y avait précédemment. Donc c'est du 0, 0 ou du 1, 0. Je vais passer de 0 à 0. Donc si je veux passer de 0 à 0, ben, je reprends le résultat, je le connais. Passer de 0 à 0, c'est 0 phi. D'accord ? Donc ça veut dire qu'après, ce que je peux faire, c'est mettre en mémoire à côté les différentes combinaisons que je vais avoir. Donc si je veux passer de 0 à 0, et bien dans ce cas-là, je fais ici du 0 phi. Si je veux passer ensuite de 0 à 1, vous voyez ici, je me suis décalé, il va falloir recommencer ici. Donc si je veux passer ici de 0 à 1, je fais du 1 phi. Si je veux passer de 1 à 1 ici, du coup, j'ai le choix soit de garder en mémoire, de faire 0, 0, soit de forcer. Donc là, je vais avoir du phi 0. Donc pour passer de 1 à 1, je vais avoir du phi 0. D'accord ? Ensuite, j'ai à peu près tout dit. Si je veux passer de 1 à 0, ça va être l'autre combinaison. Bah, si je veux passer de 1 à 0, je fais du 1, 1 ou alors du phi 1. Voilà. Bon, ça veut dire qu'à partir de là, maintenant, vous voyez, j'ai toutes mes combinaisons de posées. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à les recopier dans mon tableau. D'accord ? Donc là, maintenant, je vais faire donc 1, 1, 1, 1, je l'ai dit. De 1 à 0, ben, du coup, je vais avoir du phi 1. De 0 à 0, je vais avoir du 0 phi. De 0 à 1, je vais avoir ici. Alors attendez, j'ai fait une erreur ici. Donc si je veux passer de 0 à 1, je prends soit l'opposé. Voilà. Donc je vais avoir du 1 phi. D'accord ? Si je veux passer de 0 à 1 ici, c'est bien le 1 phi. Donc ici, je veux passer de 0 à 0, c'est du 0 phi. Si je veux passer de 0 à 1, c'est du 1 phi. Voilà. J'espère que c'est OK pour tout le monde. D'accord ? Donc là, c'est bien 1 phi qui est ici. Donc, et ainsi de suite. Donc 1, 1, phi 0. Donc ensuite, il faut bien garder la même colonne. C'est aussi dans ce genre de travail ici, c'est important. Donc si je veux passer de 1 à 0, je vais avoir du phi 1, etc.
Voilà, donc la table de vérité complète, vous voyez, ça peut être assez long, mais je vous encourage vivement à le faire par écrit. Vous allez voir, ça vous a énormément vous entraîner sur la manipulation de la table de vérité de la bascule J4, sur toutes ces valeurs. Je vous conseille de faire ça au bout d'un moment, parce qu'on s'est rendu compte ici assez rapidement qu'on avait toujours les mêmes basculements qui allaient intervenir. Donc faire leur combinaison ici, c'est très intéressant. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va se dire, par exemple, pour les différentes valeurs que j'ai là, d'accord, comment est-ce que j'obtiens Q0, d'accord, comment est-ce que j'obtiens Q1, comment est-ce que j'obtiens Q2, comment est-ce que j'obtiens Q3. Donc ça, ça va me permettre en fait de faire un câblage entre les différentes valeurs. C'est ce qu'on va faire maintenant avec les tableaux de Quirin. Nous allons maintenant exploiter ces tables de vérité hein, que vous verrez en incrustation apparaître proprement. D'accord. Donc vous voyez, c'est assez long à faire, mais je vous conseille quand même de le faire. Donc là, on va commencer à faire les connexions pour nos entrées JK de chacune des bascules. D'accord. Donc si je regarde ici, je vais déjà, avant de faire mes tableaux de Carnot, remarquer s'il n'y a pas des choses déjà faciles à faire. Donc, si je prends Q0, je vois en fait que dans la colonne de Q0, j'ai des 1 ou des phi. Phi, c'est un état indifférent, c'est-à-dire que ça peut être 0 ou 1. Donc ça veut dire qu'en fait, si je fixe tout le temps J0 à 1, c'est bon, ça marche. Pareil pour K0. K0, je remarque, si je le fixe tout le temps à 1, c'est bon, ça marche. Donc ça veut dire que sans faire de table de vérité ici, de tableau de Carnot, je peux déjà conclure que je peux mettre J0 et K0 à 1. Donc ça, c'est bon, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, ici, je vais faire deux exemples. Et ce que je ferai en fin de vidéo, je mettrai en incrustation les tableaux de Carnot pour les autres valeurs de J et K, ainsi que le câblage final. Donc je rappelle le tableau de Carnot. Ici, j'ai quatre valeurs que je vais mettre par paire, Q3, Q2, Q1, Q0. Et faites bien attention en mettant votre combinaison binaire dans le tableau de respecter le code binaire réfléchi, le code grec. D'accord ? Bon, c'est-à-dire je fais 0, 0, 0, 1 et les valeurs 1, 1 et 1, 0 sont permutées ici. De même ici, il faut toujours faire attention à ça, sinon votre tableau de Carnot sera faux. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai répertorié en fait toutes les valeurs de J1 et j'ai fait pareil pour K1 dans ce tableau. Je rappelle les règles d'utilisation du tableau de Carnot, c'est de faire le moins de groupes de 1 possible, mais le plus gros possible. D'accord ? Donc ça veut dire qu'ici, je veux avoir les groupes de 1 les moins nombreux possibles, mais avec le plus de 1 à l'intérieur de chaque groupe. Et les phi vont m'aider à grossir ces groupes. Et dernière règle importante, dans un groupe de 1, je ne peux avoir que des puissances de 2 de 1. Donc typiquement ici, on pourrait se dire, bon bah très bien, j'ai des 1 ici, si je vais faire grossir le groupe, je prends tout ce qu'il y a là. Mais si je fais le total, j'aurai 12 1. Et 12, ce n'est pas une puissance de 2. Par contre, si je prends l'encadré qui est ici, vous voyez, dans cet encadré ici, c'est le maximum que je puisse faire de 1. J'en ai 8. 8, c'est bien 2 puissance 3, c'est bien une puissance de 2, ça marche. Et donc, je vais avoir J1 ici, qui va être égal à... Alors, j'observe. Donc, quelles sont, parmi les entrées Q3, Q2, Q1 et Q0, celles qui ne changent pas ? Ben, je vois que dans la colonne, Q3, Q2, ça change tout le temps. Donc, je ne vais pas les garder. Par contre, dans la combinaison Q1, Q0, je vois que j'ai Q0 qui est toujours à 1. Donc je peux dire que J1 est relié à Q0. D'accord ? Je fais pareil ici. Donc c'est la même logique. En fait, c'est une coïncidence pour ces deux-là, J1 et K1, une espèce de symétrie. D'accord ? Donc je peux grossir aussi ce groupe ici. Donc qu'est-ce que je remarque ? Dans la colonne Q3, Q2 change tout le temps. Par contre ici, j'ai Q0 qui ne change pas. D'accord ? Donc ça veut dire que j'ai aussi K1. Qui est égal à Q0. Donc ça veut dire ici que pour mon compteur synchrone avec des bascules JK, les entrées J1 et K1 prennent la sortie Q0. Voilà. Donc ça veut dire que j'aurai Q0 sur J1 et K1. Et ensuite, la logique va être la même pour J2, K2 et J3, K3. Je vais mettre ça tout à la fin de la vidéo, donc avec le câblage final du circuit. Voilà, donc vous pouvez vous entraîner sur les valeurs de J2, K2, J3, K3, la correction émise en fin de vidéo, ainsi que le câblage final. Donc voilà comment, grâce justement à des bascules JK, on peut faire des compteurs synchrones. Donc, et là, les possibilités sont beaucoup plus intéressantes qu'avec le compteur asynchrone, parce que par exemple, si je veux compter non pas en décimal classique, mais si je veux compter en binaire réfléchi, c'est-à-dire en code grec, je peux très bien faire ma table de vérité ici avec mes bascules JK, faire mes tableaux de Carnot et trouver le câblage de mes bascules JK pour coder en code grec. Ce que je ne pouvais pas faire
avec le compteur asynchrone et les bascules JK. Donc voilà pour cette vidéo sur les bascules JK et les compteurs. Il viendra une prochainement sur la bascule D.